à la classe, OK? Maintenant, je suis en train d'enregistrer la classe pour que les élèves, parce que les autres élèves, s'ils ne peuvent pas se connecter maintenant, ils peuvent regarder la classe après. Et bon. I'm going to share the screen. OK, voici. OK, aujourd'hui, on va apprendre à écrire une carte postale de vacances, OK? Une carte postale de vacances. On va voir quelques expressions typiques d'une carte postale que tu dois utiliser quand tu rédiges, pour rédiger une lettre, une carte postale. Je vais vous envoyer le matériel après, OK? Bon, d'abord. Et nous avons ici un exemple de carte postale, ainsi que on va lire. Vous pouvez commencer à lire, s'il vous plaît, Alexis. Lisez, s'il vous plaît. Salut, Julie. Salut. Comment ça va? Salut, Julie. Comment ça va? Nous, on va très bien. On est en vacances à Cachon. Près de Bordeaux, c'est super. On a loué un appartement qui donne sur la plage. On se baigne, on bronze, on repose et les soirs, on sort près de vacances. Ici, on mange vraiment vraiment bien. Foie gras. Vraiment bien. Mm-hmm. Continuez. Hier, on a visité le rocher de la mer. C'est impressionnant, très instructif. Et demain, on va voir le parc ornithologique. Ornithologie de Joan Mestras. Ok, attends, arrête, merci. Une autre personne pour finir. Et Andrea, s'il vous plaît, finis la carte. Et toi? Ok. Et toi, comment vas-tu? Il fait chaud à Paris. On pense très fort à toi. Tout nous manque. Bon, on se voit en septembre. On espère qu'on se fera un petit resto avec Christophe. On t'embrasse très fort. Bisous, Luc et Hervé. Hervé. Par klaxon. Hervé. OK, merci Andrea. Et tout le monde, vous avez compris la carte postale? Oui. 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 Il y a des mots que tu ne comprends? Qu'est-ce que ça veut dire en bronze? En bronze. Quoi? Bronceamos. Oui, mm-hmm. C'est vrai, c'est bien, c'est bien. Nos bronceamos. Mm-hmm. OK. Bon. On peut continuer? Foie, era foie, era hígado. Hígado, très bien. Oui, foie, hígado. Mm-hmm. Autre chose? Ok, je pense que Lisette a des problèmes avec son internet. Parce qu'il se déconnecte, il se connecte, il se déconnecte, il se connecte. Ok, bon, on peut continuer? Réviser. Petit resto, era como era restaurante? Oui, c'est l'abréviation de petit restaurant. Petit restaurant. C'est informel, une expression colloquiale. Autre chose? Non? Victor, question? Estoy leyendo. Ok, ok. Aquí está Victor. Oui, Victor, c'est ici, bien sûr. En français, Lima, tu peux parler français? Un peu, un peu. On continue? Dis-moi, oui, non? Oui, oui. Attends. Ok, bon. Oui. Non, oui. Oui.
Bon, on va voir quelques expressions et quelques conseils pratiques pour écrire. Et par exemple, le premier, et on est en vacances, on est jeune, on est allé au restaurant. C'est seulement pour vous raconter que quand on parle de on, c'est pluriel, ainsi que on doit ajouter un s. Tu te racontes de ça? On est jeune avec s parce que on, c'est un pronom pour parler au pluriel, comme nous. Et quand on parle au passé composé, on est allé. Quand on utilise le passé composé, on doit ajouter la lettre S si on parle de pluriel. On est allé au restaurant. Tu comprends ça? Dis-moi si oui ou non. Ou... Vous êtes là-bas? Bonjour. Qu'est-ce qu'il passe? Que maintenant, on a... Bon, on continue. Ok, autre forme, autre manière de saluer. Et toi, comment vas-tu? Parce que tu dois demander à l'autre personne aussi. Et vous, comment allez-vous? Et à Paris, tout va bien? Et toi, ça va? J'espère que tu vas très bien, ok? Vous savez, plusieurs de septembre pour saluer quelqu'un. On pense très fort à toi. Tu nous manques. Tu comprends cette phrase? On pense très fort à toi. Tu nous manques. Tu sais qu'est-ce que c'est? Pensamos mucho en ti. Pensamos mucho en ti. Te extrañamos. Tu nous manques. Tu nous manques. Aussi, tu peux dire je pense à toi. Je pense très fort à toi. Ok, tout le monde, les deux phrases, ce sont la même chose. On pense bien à vous aussi. Vous me manquez beaucoup. Ce sont des expressions pour exprimer à l'autre personne qu'il te manque, elle te manque. On espère qu'on se fera. Ça veut dire attendre, espérer. J'attends de tes nouvelles. Tu sais qu'est-ce que c'est, j'attends de tes nouvelles? Oui? Espero noticias tuyas. Exactement, oui, très bien. J'espère de tes nouvelles. Nouvelles, c'est noticias. Aunque también es nueva. Nouvelles, noticias. J'espère te voir très bientôt. Ok, une question sur ça? Sí. ¿Y, cuestión? ¿O puedo continuar? ¿No? ¿Puedo continuar? Sí. Sí. Qué bueno. Ah, Denise ne peut pas entrer, je sais pas pourquoi. Laissez-moi. Non? Tous sont ici? Il n'y a pas de personne. On attend. Bon. On t'embrasse très fort. C'est une expression de chaleur. On t'embrasse très fort. Bisous. Grosse bisous. Gros bisous. Et ce sont comme grosse bis. Grosse bis. Bisous. Besos. Grosse bis, c'est comme besotes. OK? Grosse bis. Et gros bisou est besote. Seulement A, ok? Besote. Gros bisou. Embrasse tout le monde de notre part. Ou embrasse tout le monde de ma part. C'est une expression pour finir la carte. Affectueusement aussi. Affectueusement, Irving.
par exemple. Et pour décrire l'adresse de la personne, Julie Latour, 25 boulevard Malherbe, et le code postal ici, Paris. Monsieur et Madame Lecoq, 14 rue La Chassaigne, code postal Bordeaux, France. OK? Les en rouge, c'est une manière d'écrire l'adresse. Et en noir, vous avez autre manière d'écrire votre adresse. OK? Question sur cette slide? Non. Non, continue? Oui. Oui. OK, bon. C'est presque tout. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je voudrais que tu écrives ta propre carte postale en utilisant les expressions qu'on a expliquées. OK? Un exemple. Voici un exemple. C'est un exemple de l'exercice. Paris, le lundi, tu vas écrire ici Iguala, le lundi 20 avril 2020. OK? Tu vas écrire une carte postale. Adrien, vous pouvez lire, s'il vous plaît? Vous pouvez lire, cher cousin Adrien, Valentin, Torres. Et tu n'as pas votre microphone. Votre microphone n'est pas en centre. Oui. Okay, cher cousin, comment vas-tu? Moi, ça va très bien. Je suis en vacances à Paris. La ville de la mort. De la mur. Je suis allé boire notre tante. Juliette et je dors chez elle. Et le matin, je me coupe d'elle. Et l'après-midi, je vais visiter la capitale. C'est extraordinaire. Hier, je suis monté tout en haut de la Tour Eiffel. Et aujourd'hui, je visite le musée du Louvre. De Louvre. Mais ce que j'aime le plus, c'est me balader dans les rues, le long de la Seine. De la Seine. OK, merci. Et autre personne, s'il vous plaît, Eddie, vous pouvez continuer? Eddie, vous êtes là-bas? OK, bon, Lima. Lise, s'il vous plaît. Et toi? Comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. Tu es en vacances? Comment vont les enfants? Tu me manques beaucoup? J'espère que l'année prochaine, on pourra se voir même si je sais qu'avec la distance, c'est compliqué. Je t'embrasse très fort et t'embrasse les enfants de ma part. Bis, Christine. L'adresse, s'il vous plaît, vous pouvez lire? Armand Le 4 et du rue de Pommier. Trente et un mille deux cents. Toulouse. OK, très bien. Bon. Et vous avez compris cette carte postale? Oui. Qu'est-ce que c'est la scène?
La Selle. Ah, la Seine. Ah, c'est le nom d'une rivière. C'est une rivière. Es un río. El río Sena. ¿Y qué es que se baladea? Baladea es pasear. Me baladea, pasearme en las calles. Don Leo. Okay. ¿Otra cosa? ¿No? Ok, comme je te dis, je voudrais que tu écris une carte postale comme ça, 60 mots. 60 mots, ce sont bien. 60, 80 mots. Et s'il vous plaît, écrivez la carte postale en PowerPoint avec une lettre grande, s'il vous plaît, lettre grande, ou utilisez Word, Office Word, mais utilisez lettre grande aussi. Et on va se connecter à nouveau à 19h30, je pense, parce que j'ai une autre classe à 18h. Et l'Internet ne marche pas bien à 7h. Je pense que l'Internet marche bien à partir de 19h. Ainsi que à 19h30, à 19h30, on va projeter, tu vas projeter votre carte postale et on va corriger tous ensemble les erreurs. Ok? Tu as compris qu'est-ce que tu vas faire? Oui. 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 Ok. Bon, je vais laisser de partager. Et si tu n'avais pas prendre toute la classe, ne t'inquiète pas. Je vais enregistrer. J'ai enregistré la classe. Je vais la poster en YouTube. Moi. Ok, attends ça.